Hello, coucou, j'ai une bonne nouvelle ici. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai un nouveau groupe Facebook, un groupe que j'ai toujours rêvé d'avoir et je n'ai pas réussi à m'imaginer quel nom donner, comment le structurer, l'intention dans le groupe. Et j'ai trouvé, ça s'est tombé dessus par hasard comme ça. Hier, je crois, j'écrivais quelque chose. Et je l'ai sorti comme ça, ce mot, parce que je disais à quelqu'un, t'as qu'à joindre mon groupe Facebook. Et j'ai donné le nom. Et en fait, en réalité, je m'étais trompée. Donc voilà, le nouveau groupe s'appelle Porteuse de Lumière. Et la question est, est-ce que tu te considères comme une porteuse de lumière? Qu'est-ce que c'est pour toi une porteuse de lumière? Voilà. Alors, si tu te considères comme une porteuse de lumière et que tu as ton idée bien fixe, mets-moi un commentaire ici en dessous, parce que ce que je vais faire à ce moment-là, je t'envoie par Facebook Messenger le lien pour rejoindre ce groupe Facebook Porteuse de Lumière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce groupe Porteuse de Lumière? Dans ce groupe, nous avons un poste où nous allons évidemment faire connaissance avec tous les magnifiques projets qui y sont. Donc, ce groupe existe, mais il va être renommé parce que les femmes là-dedans sont des porteuses de lumière, des porteuses de projets lumineux. Mais en réalité, la lumière est à l'intérieur et si tu te trimbales avec ça, c'est si tu dois arroser cette lumière pour que ça soit une brillance. Et c'est ça le processus. Donc le processus dans lequel nous sommes, c'est que nous nous rendons d'abord compte que nous avons reçu ce don et que nous prenons la responsabilité pour ce don et que nous faisons tout ce qu'il faut pour montrer, pour laisser voir ce don. Cette lumière, la laisser briller à l'extérieur. Pour moi, c'est le processus d'une entrepreneuse. C'est quelqu'un qui dit, je prends la responsabilité, merci de ce don et je vais l'offrir, je vais aider les autres, je vais faire en sorte que ce qui veut voir la lumière du jour à travers moi puisse le faire. Je vais me mettre moi au service de cela. Et quand tu fais cela, tu changes la dynamique dans laquelle toute ta vie se déroule. Et ça devient vraiment magique, ça devient beau parce qu'en réalité, tu ne le fais plus tout seul. Tu peux te connecter à toutes les autres qui sont dans cette même dynamique, mais l'univers, Dieu, les anges, comment tu veux l'appeler, répondent très, très fort à ça. Ils adorent ça et c'est magique, on ne peut pas l'expliquer, mais on peut juste être totalement bouche bée quand ça arrive dans ta vie parce que ça te remplit de l'intérieur, ça comble le cœur de gratitude. Et j'ai toujours dit que quand je sens ça, moi, c'est, je me dis, OK, si je dois mourir demain, mon cœur est comblé et j'ai fait ce qu'il fallait. Et le plus souvent, je sens ça, le plus souvent, je suis vraiment, vraiment heureuse. Et ce bonheur, c'est quelque chose que je te souhaite, de savoir que ce processus, si tu le parcours, eh bien, tu vas expérimenter ça. Et je pense qu'il n'y a presque rien de plus beau sur Terre que de pouvoir sentir cela. Donc, je te le souhaite et je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Porteuse de Lumière. Tu es la bienvenue. Mets-moi un commentaire ici en dessous si ça t'intéresse et je t'envoie par Facebook Messenger le lien pour rejoindre ce groupe Facebook. Très belle journée et à tout de suite dans le groupe. Bye bye.